Excuse-moi, j'ai du travail. Debout. Il est encore tôt, dites donc. Je veux qu'on en finisse aussi vite que possible. Si vous le dites. Ne faites pas cette tête, monsieur Miles. Ce jour s'annonce historique. Il marquera nos mémoires pour les années à venir. Du moins, pour certains d'entre nous. L'animus vous indique qu'un garde informé vous observe. Dissimulez-vous. Le moindre écart de conduite risquerait d'attirer son attention. S'est-il passé ici? Où sont-ils tous? Partis rejoindre le maître. Les Templiers, ils ont encore attaqué? Ils arpentent le chemin. Quel chemin? Qu'est-ce que tu racontes? Le chemin vers la lumière. Sois plus clair. C'est le chemin que le maître nous a indiqué. Celui de la vérité. Tu as perdu la raison. Vous aussi devez suivre le chemin, ou vous mourrez. C'est la volonté du maître. C'est Al-Mualim, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il t'a fait? Gloire à notre maître, c'est lui qui nous guide vers la lumière. Mualim, guide-nous, commande-nous. C'est du maître. Pour la lumière. Tuez le traître. Pour le maître.
Il s'est détourné du vrai chemin. Il doit mourir. Il va se fatiguer. Attrapez-le. Voilà. Ne le laissez pas s'enfuir. Vite pour chasser. Je ne m'échapperai pas. Altaïr, par ici. Je crois que tu tombes à point nommé. C'est ce qu'on dirait. Tu dois te méfier, mon ami. Al-Mualim nous a tous trahis. Oui, comme il a trahi ses alliés templiers. Tu étais au courant ? Je suis retourné sur les ruines du temple de Salomon. J'ai trouvé un journal dans lequel Robert consignait toutes sortes de révélations. Ce que j'ai lu m'a brisé le cœur. Mais cela m'a aussi ouvert les yeux. Tu avais raison, Altaïr. Notre maître nous a manipulés. En croyant délivrer la Terre Sainte, nous la lui avons livrée. Il faut l'arrêter. Sois prudent, Malik. S'il en a l'occasion, il nous éliminera comme les autres. Ne t'approche surtout pas de lui. Qu'est-ce que tu suggères ? Mon bras est toujours vaillant, et mes hommes me suivront. Ce serait une erreur de ne pas compter avec nous. Alors tentons une diversion. Lance une offensive contre la forteresse. Si tu attires l'attention des esclaves, je pourrai affronter Al-Mualim. Je ferai selon ta volonté. Nos adversaires, ils sont manipulés. Épargne-les si tu le peux. Bien. Mes hommes et moi sommes restés fidèles au credo. Nous n'agirons pas comme le maître. Je ferai de mon mieux. C'est ma seule condition. Paix et sérénité, mon ami. C'est à ton courage que nous devrons notre salut. Innocent. Je dois prendre garde de n'en blesser aucun. Qu'est-ce qui m'arrive ? Oh ! Mon disciple est de retour ! Je ne me suis jamais enfui. Et tu ne m'as jamais écouté. C'est pourquoi je suis toujours en vie. Que vais-je faire de toi ? Laissez-moi partir. Oh, Altaïr ! Tu dissimules mal ta haine. Je la ressens. Te laisser partir ? Voilà qui serait bien imprudent. Pourquoi faites-vous cela ? J'ai trouvé la preuve. La preuve de quoi ? La preuve que rien n'est vrai. La preuve que tout est permis. Venez ! Tuez le traître ! Il n'a pas sa place en ce monde ! Ah!
Auriez-vous peur? J'ai fait face à plus de 1000 hommes. Tous étaient plus puissants que toi. Et tous sont morts. Par ma main. Tu ne me fais pas peur. Prouvez-le. Que pourrais-je craindre? Personne ne peut plus rien contre moi. À dire avant de mourir? Vous m'avez menti. Vous condamniez De Sablé alors que vous partagiez ses ambitions. Je n'ai jamais aimé partager. Vous ne vous en tirerez pas. D'autres trouveront la force de se dresser contre vous. Et c'est pourquoi, tant que les hommes auront leur libre arbitre, il ne pourra y avoir de paix. J'ai tué le dernier qui tenait ce discours. Quelle audace, mon garçon! Mais ce ne sont que des mots. Dans ce cas, relâchez-moi et vous verrez bien. Dites-moi, maître, pourquoi ne m'avez-vous pas formé comme les autres? Pourquoi m'avoir laissé mon libre arbitre? Un homme agit toujours en fonction de ce qu'il est. Je ne pouvais pas prendre le risque de t'affaiblir. Et ces Templiers devaient mourir. Mais la vérité, c'est que j'ai essayé. En particulier, quand je t'ai montré le trésor. Mais tu n'es pas comme les autres. Tu as vu au-delà de l'illusion. L'illusion? C'est là sa raison d'être. Le trésor des Templiers. L'orbe d'Éden. La parole de Dieu. Comprends-tu maintenant? La mer Rouge qui s'ouvre. L'eau qui se trouve changée en vin. Eris qui provoque la guerre de Troie. Rien n'aurait été possible sans ceci. Tout cela n'était qu'illusion. Votre plan n'est rien d'autre qu'une illusion. Forcer les hommes à aller contre leur volonté. Est-ce vraiment moins réel que les fantômes que poursuivent les Sarrasins et les Croisés en ce moment? Que la lâcheté de leurs prétendus dieux pour lesquels les hommes vont jusqu'à s'entretuer? Ils vivent déjà dans l'illusion. Je leur en propose une autre. Une autre moins sanglante. Mais c'est à eux de faire leur propre choix. Un choix? Se convertir ou passer pour un hérétique? Vous vous trompez. Ah,
Voilà que la logique t'abandonne, pour céder la place à l'émotion. Vraiment, tu me déçois. Alors, nous sommes dans une impasse. Quoi que je te dise, je n'arriverai pas à te convaincre. Il est encore temps de renoncer à vos sombres desseins. Tu as raison, nous sommes dans une impasse. Oui, effectivement. Tu me manqueras, Altaïr. J'ai toujours vu en toi mon plus brillant disciple. Tu es aveugle, Altaïr. Tu l'as toujours été. Tu le resteras à jamais. L'escalade se solde par une chute, essayez de voir. Tu es aveugle, Altaïr. Tu l'as toujours été. Tu le resteras à jamais. Les cadavres peuvent vous permettre de faire diversion. Tu es aveugle, Altaïr. Tu l'as toujours été. Tu le resteras à jamais.
Les érudits que vous avez sauvés vous aideront à traverser les... Tu es aveugle, Altaïr. Tu l'as toujours été. Tu le resteras jamais.